Les gars, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va tranquille. Mais bon, on est contre Humble donc ça va un peu moins bien. Donc il joue Ignite, Conqueror, Sorcery, donc il va jouer l'entraîne. Donc là le setup cette game c'est quoi? Si la touche marche ou pas. C'est Fleet, Absorb Life, à la critique, oui, la stand, et moi personnellement je prends pas les bots parce que je vais rush. Enfin je prends pas la rune des bots parce que je vais rush Mercure. Donc je prends Cookie et Cosmic Insight. Voilà pour les runes. Donc normalement, j'ai l'appris au niveau 1, ça va être chaud, mais c'est jouable. En fait, ça dépend s'il prend Q ou E. S'il prend E, je l'ai instant. S'il prend Q, c'est un peu plus bizarre. Mais voilà. Pourquoi je prends Fleet dans ce match-up? Tout simplement parce que quand je vais faire des trades contre lui, j'ai envie de pouvoir partir rapidement ou pour utiliser Fleet pour engager un trade et comment dire ça, pouvoir avoir la range, tout simplement. C'est parti. Donc ouais, le but ça va être de crash 3. On a ce que ce soit Kennen top, le Rumble. Après, il a peut-être start lance-flamme vu comment il joue. Vous voyez, Fleet, je m'approche. L'avantage. Là voilà, je mets un bon trade grâce à Fleet. Maintenant, le problème c'est que tous les CS solo, donc il va vouloir me trade back avec le lance-flamme, vous allez voir. Juste qu'il le proc. Vous voyez, c'est pas très grave parce qu'au moins j'ai la messe du Fleet et j'ai récupéré mon E, donc je ne pouvais pas jouer comme il voulait. Là, il s'est un peu trop approché. Voilà. Vous voyez le déniveau 1, c'est pour ça que les bons Rumble ils commencent E, ils commencent pas à Q. C'est un monde où je pouvais le jump là. On va essayer de le dive. Pas que ça passe en vrai. Ça passe pas, il a trop régène. Il y a trop régène, ça passe pas. Du coup, ça fait un crash 2 vu les trades qu'on a mis, mais c'est pas grave parce que c'est une force un flash. J'ai posé ma ward. Parce que je pense que là, Nocturne est aussi en train de vertical, donc mon crash 2 m'arrange en vrai. Le poppy est vertical. Okay. Je voulais pas rentrer en range, je pensais qu'il allait reculer, mais finalement, il a joué devant moi. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, kill rumble niveau 2. Push. Je push ça aussi en fait. Un CS. Ah, le crash est pas facile là, mais c'est my bad. Dans le management là, c'est my bad. J'aurais pu mieux gérer ça. Voilà, donc c'est 21 CS contre 7. J'ai bien farm et tout ça grâce à Fleet. C'est pour ça que personnellement, dans ce match-up, je préfère Fleet et pas Phase Rush. Parce que ça aurait pas été les mêmes trades avec Phase Rush. Donc là, je voulais partir sur Mercure first, mais je vais partir sur Shin, l'avance que j'ai. Je vais TP parce qu'il va chercher à push cette wave de base. Je vais pas notre potion. Oui, il cherche à push. En fait, il veut pas que sa wave se push vers moi. Sinon, il sait que je peux freeze. Vu que j'ai TP, donc dans tous les cas, je vais freeze. Prends TP en range. Oh, en range. Je gagne, je recule parce qu'il va récupérer son E et son Q. Je recule. Là, j'ai pas envie de revenir. J'attends qu'il Q. Ou j'attends qu'il fasse. Enfin, voilà, s'il peut rien faire, ben dans ce cas-là. Je fais rien non plus, je récupère mon E. Et là, sur un full lead, je peux le tuer. J'attends 2, 1, j'y vais maintenant. Là, il est mort. Hein. Pourquoi les joueurs, ils se tapent pas de cri block et moi, je me tape des cri block de l'enfer? Genre, c'est. Ça m'étonnera toujours, ça. J'ai l'impression que Jax, il est. Je sais pas, il est devenu plus large. Je sais pas. Bon, la game est even, plus ou moins. Là, j'ai envie de crash en vrai. J'ai pas envie de rester low comme ça. J'ai envie de back là, dépenser mes gold. Chain wave. Hop, on va drag un peu. Voilà, j'en jette un 5. Je rate un 16, c'est pas grave. Le but c'est de push là. On s'en fout si on rate des CS. Allez, allez. Voilà. Normalement, il freeze pas. Voilà, parce qu'en tout cas, j'avais deux cookies. Donc, au pire des cas, je pouvais rester en lane. Donc là, je back et je vais prendre Mercure. Enfin, je vais prendre les débuts de Mercure. Donc pourquoi je le prends? Pour la MS, pour la RM et pour la ténacité. Donc la RM, parce que c'est Rumble. La MS pour pouvoir encore plus kite et encore, voilà, avoir encore plus de MS pour les trades. Et ténacité pour réduire la durée de son slow. Si je voulais réduire l'efficacité, je prendrais Swiftness. Mais le problème, c'est que Swiftness, pour moi, c'est un peu. Voilà, c'est. Je préfère prendre Mercure en vrai. C'est plus relevant par rapport à la game globale que Swiftness qui est vraiment de l'anti-slow pur, quoi.
Là, bon, bah, slow. Ouais, ok, on peut gank en vrai. Ah, là, vous voyez, là, le setup, c'est moi qui l'ai préparé. Hein. C'est grâce à mon. Et normalement, je peux la. Ouais, normalement, il est mort, il est mort. J'ai R. En vrai, je voulais pas qu'elle. Je voulais pas qu'il y ait des trucs bizarres, donc j'ai préféré R. Donc là, voilà. Donc, vous voyez, le setup, il était bon. En fait, là, depuis le début de la game, je gère bien mon wave management. Donc, c'est comme ça que le gank est venu. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, les gars. C'est que si votre lane n'est pas attractif pour votre jungler, le jungler ne viendra jamais. C'est-à-dire que si sur des matchups négatifs, vous êtes perma à 200 HP, 300 HP, évidemment que votre jungler ne viendra jamais. Donc là, Nocturne, il a Airbolt. Donc, voilà, petit risque que je vais faire en posant devant ici. Là, je vais trade, je vais mettre un gros trade, je passe devant. Donc là, je vais le dive. Hein. Voilà. Donc là, il n'a plus de game, c'est fini. Donc normalement, en temps normal, je couperai le record à partir de là. On m'a dit que voilà, vous préférez avoir des games complètes que juste une winning phase comme ça. Donc voilà, on va continuer. De toute façon, la game, elle a l'air close, je crois. Ouais, elle a l'air close. Donc là, je vais éviter d'utiliser des spells. Je vais claquer un cookie. Pourquoi? Parce que je vais lui refaire la même chose, en fait. Vu que Nocturne est encore bot au Drake. Là, voilà, je m'avance. Je prends la wave ici, je claque un autre cookie. Je vais poser une ward. Alors non, il est déjà là, donc pas besoin. Là, je gagne le trade, hein, vous voyez. Voilà. Là, il n'y a plus de game, hein, c'est fini pour lui. Là, mon défi, c'est la game, juste. C'est ça mon défi. Bot 3-0 Raven. Ouais, ça va être chiant, ouais. Voilà, je prends une plate, je me barre. Donc là, je suis très très bien en gold. Donc vous avez vu le trick de. Voilà, je savais où était le jungler. Je savais que j'ai gagné à 100%. Nice. Non, ouais, il a pas été malin là. Pas compliqué de savoir où j'ai back, franchement. Mais bon, du coup, je disais, ouais, là j'ai vu du coup où était le. En fait, les conditions c'était quoi là pour le proxy, pour faire ce que j'ai fait. 1. Je savais que je gagnais le 1v1 à 100% avec les ressources que j'avais. Deux, il fallait que j'ai l'info sur Nocturne. J'ai eu les deux confirmations. Et donc après, bah, j'ai fait ce que j'ai fait. C'est les deux confirmations les plus importantes. Après, il peut y en avoir d'autres, comme par exemple le support qui décale avec le mid, des choses comme ça. Mais ça, c'est plus rare. Enfin, c'est pas. Surtout là, en plus, on est en face de lane. J'étais à 6 minutes de jeu quand j'ai fait ça. Franchement, il y a peu de chances que ça arrive. Donc là, Kanan a du back. Non, il est mid. Ils sont en train de share une lane à deux. Pour l'instant, je vais pas toucher à lane, perdre de l'XP. Parce que là, du coup, Rumble va décaler top. Si je décale en vrai, s'ils veulent jouer, je joue. J'arrive, je crois que ça R, ouais, ça R. On gagne normalement ça. En vrai, il aurait dû. Je pense pas qu'il aurait dû R là. Là, je gagne. Voilà. Il y a moins que je flash. Ok, non, c'est bon, je suis plus fier. Alors, je look si je flash ou pas en vrai. Ok, là, il a Tiamat. J'ai pas vu qu'il avait Tiamat, sinon j'aurais flash out déjà à l'avance. Bon, c'est pas très grave, mais c'est dommage qu'il ait R Nocturne. Hein. Moi j'étais là, alors qu'il était full HP. C'est pas grave. Mais vous voyez les moves comme ça, où en gros vous êtes déçu par vos mates. En fait, il faut que ça vous serve proactivement. C'est-à-dire que là, je sais que Poppy, elle maîtrise pas son champion. Elle est pas confiante, elle est pas sereine. Je vais pas la faire confiance. Donc ça me permet de voir. Twitch était en 2-0. Là, il est repassé devant, donc il a regagné de ma confiance. Je me dis, bon, il a quand même tué Draven qui était en 3-0, il l'a tué deux fois. Enfin, avec la botlane en tout cas. Là, ça me remet confiance. Vous voyez, utilisez plus ces infos-là comme ça. On fait des fights comme ça. C'est-à-dire que là, voilà, la copie, vu ce qu'elle a proposé, bah, j'ai plus trop confiance, quoi. C'est là en 0-3, bah, ça me donne pas confiance. Dites-vous que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que là, pour mes teammates, je suis en 6-1, je suis Zeus là pour eux. C'est-à-dire que là, ben, peu importe ce que je veux jouer, si je ping, mais ils vont suivre. Et ça, le truc, c'est aussi quand vous êtes devant, vous avez une responsabilité par rapport à la game. C'est important que ben, vous preniez les bonnes décisions. Alors que quand vous êtes derrière, c'est plus. Vous essayez d'avoir le plus d'impact possible en étant le plus léger possible dans le sac de vos teammates. Ça, c'est quand vous êtes derrière. Encore un R, mais attends, c'est quoi le. C'est qu'elle est un peu plus trade back. Donc là, il n'y a rien à faire, Toboy. J'ai crash la wave, donc je vais utiliser ma tempo comment? En décalant mid. Voilà. J'en ai mort bot. Ok.
Et même que je le flash, le clin de la petite flash, moi j'aime bien le flash. Hein. Ouais, en vrai, ça peut mettre bien la. Dommage, ça la tue. Ouais, ça fait un pour un, je trouve que c'est un peu trop avancé pour une nuque. Ça peut juste balancer des E à distance, en plus elle a son item. Franchement, elle c'est un peu trop avancé, je trouve, elle avait pas besoin. Dans tous les cas, j'attendais juste, fallait juste attendre 5-10 secondes. Bon, en général, quand vos junglers, pas du coup là en l'occurrence, quand moi je gank, je fais des roms comme ça, ben, les mecs ils paniquent. C'est comme vous, je sais pas si vous avez des fois l'impression, le junglier il est à côté, il attend et vous êtes peut-être un peu paniqué, vous lancez un move à peu près précipitamment. Ben, là, c'est en fait la même logique, c'est pareil. Bon, là j'ai envie d'accélérer un peu. Pour ça, il faut que je puisse reset pour prendre mon item. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout celle-là, crash la prochaine. Ensuite, revenir en lane, ensuite, changer les grubs. Vous voyez, là j'ai mon plan. Le plan, il est fait. Maintenant, là, à court terme, du coup, là maintenant, le Nocturne, il peut être top. Donc, fasse attention. Il y a quand même 7 le Rumble. Donc, il met quand même des dégâts. Il a quand même un R, il a quand même un Ignite. Donc, il faut faire attention. Là, mon but, c'est de crash. Je n'ai pas l'engage. Hein. Je cherche pas l'engage ni rien. Même si ça s'approche un peu, je n'ai pas l'engage. Là, je cherche juste à crash, c'est tout. Rien de plus. Là, il peut me contester, là, c'est ce qu'il fait. Voilà, je vais mettre un Z si. Moi, c'est crash. Maintenant, je vais le back ici parce qu'il a affaire avec la wave en vrai, là. On sait pas où est Nocturne, donc là, il peut être top ou bot. Je pense qu'il a fait ses camps top. Et là, maintenant, soit il passe bot vers le Drake. Je pense qu'il doit être bot, là, vers le Drake. Ouais. Donc là, je vais prendre. Ouais, il a R bot, je pense. Ouais. Il a son R. Il utilise un CD son R, hein. C'est fou. Hein. Bon, là, ça a joué bot. Je pense pas que ça tue en vrai. Ah ouais? Ouais, je pensais pas qu'elle avait les dégâts après. Ok, ça passe, ça passe. Ah, la Sundered, j'avais pas vu. La Sundered? Mais d'où elle sort ses gold? Moi, je vais à peine de compléter Trinité. Et elle, la. Je sais pas. Elle a dû prendre des primes, j'imagine. Vous voyez, là, elle remonte un peu dans mon estime, la Poppy. Vous voyez comment. Moi, en tout cas, c'est comment je fonctionne. Mais je me dis, du coup, maintenant, je me dis, bon, la Poppy, je vais pas forcément initier des moves ou quoi, je vais attendre que elle. Elle. Enfin. Ça dépend le contexte évidemment, mais on va dire que je vais attendre voir comment elle veut jouer le move et je le joue comme elle veut le jouer. Sauf si vraiment je suis sûr de gagner. Là il est mort. Hein. Voilà, hein. En fait c'est ça. En fait c'est ça l'avantage de Flit, c'est que les mecs ils oublient que vous avez Flit. Et vu que la MS elle part pas de suite de Flit, je vous montre. Regardez, hop. Ouais, la MS elle est pas venue de suite. Donc je recule parce que je me fais ignite. Ouais. C'était un call qui est un peu bizarre, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je me barre. Après, c'était un mode de pingback aussi. Hein. Un mode pingback. Ouf, je crois que je suis sorti de vision là, non? Ouais, non, c'est. Si. Attends, mais il a R où? Il a R bot? Il voulait R sur moi. Non, il a R ici. Okay. Pas bot, je voulais dire bot. Par rapport à moi, pas bot, genre là ici, je voulais dire ici. Ok, donc là le plan. Le plan, je vais pas. Non, je vais pas TP, c'est bon, il back. Donc là, je vais aller top. Je sais que Nocturne, il est en train de faire ses camps. Là, il a fait les Raptors, il va sûrement vers son raid. Et après, il y a un monde où il va aller Herald. Donc ce que je fais, c'est que ben, il y a un monde où en fait, il fait ça, raid. Il fait comme ça, et il va aller Herald comme ça, où il prend la plante. S'il y en a une. Là, je trace instantané Herald. Parce que vu que Poppy est les bots, il y a grand moyen qu'il les start les Herald. Je sais que je peux 1v2 n'importe qui. Parti, ok, il est pas dessus. Pose une noire, on sait jamais, comme ça on a l'info. Waouh, ça cheese bot. Voilà, l'objectif c'est juste de push top et ensuite de voir ce que je vais faire sur la carte parce que j'ai pas d'infos actuellement sur les gens. Là, je vois Rumble, mais j'ai pas une Nocturne. Sûrement récupérer son R. Et voilà, je joue pas trop, je claque pas mon E dans la wave, je fais rien du tout de suspect. Je ping Herald. Il va peut-être pas le jouer. Je gagne là. Ah, j'ai un E. Hein. J'attendais en fait pour voir ce qu'elle allait me claquer dessus. Voir si ça peut se rembler potentiellement décale, mais bon. Y a pas décale. Ah, dommage, électrocute. Je voulais récupérer la région avec Flit, mais bon. En vrai, j'aurais dû flash instant, parce que je savais pas si elle allait flash instant ou pas. Du coup, je me suis fait stun instant. J'ai pas eu le temps de flash sur son flash, bah c'était normal instant. Bon. Ah, c'est pas grave. Hein.
Ouais, du coup ça c'est une mort qui est un peu grave. J'aurais pu l'éviter en regardant mon minimap. Là, elle a une petite amélioration. J'ai trouvé un peu petit, hein, je vais augmenter un peu. Enfin, pas 60. 57, c'est bien. Bon bah ils ont sur Ok. Bah du coup vous aurez 16 minutes de game. En tout cas, l'early, c'est là le plus intéressant. Parce que vous avez vu le match-up Rumble, du coup, comment ça se passait et tout. C'est là pour moi le plus intéressant. Après le reste, c'est pas... Enfin, c'est pas important, mais je veux dire, voilà, le plus important, c'est le match-up Rumble. Et après, vous avez vu, bah voilà, le but c'était de snowball. Donc voilà, T1. Ensuite, le but c'était les Grubs. On en a joué 3, il me semble. Et après, c'était les Heralds. Mais bon, il y a eu un peu de chaos. Mais vous avez vu, encore une fois, vous avez vu. Non, voilà, c'est plusieurs VOD que je fais un peu du style. Vous avez vu que je me mêle très 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 rarement au chaos. Je fais des erreurs, hein. Je veux dire, je me mêle très rarement au chaos. Je prends des décisions qui sont dans le plan que je me suis mis en fait. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la game vous a plu. Et si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin aussi. Comme ça, moi, je note de mon côté. Par exemple, le management, c'était un retour que j'avais eu. Je prévois aussi des choses à l'avenir par rapport au retour que j'ai eu aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire les choses que je pourrais améliorer et tout. Par rapport à mes vidéos. Alors si vous me dites micro, pas besoin parce que j'en reçois un demain. Pas enfin, demain, alors non. Non, alors non. Du coup, pour la prochaine vidéo, normalement, ça sera bon. Je le reçois en gros le 23 août. Là, je tourne la vidéo le 22, donc je sais pas quand la vidéo sort. Mais voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis bah, bonne journée ou bonne soirée. À vous.